Salut tout le monde, c'est Monsieur Nour, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Greed, les amis. Comme tous les lundis après-midi, on avance hein, sur notre carrière. Vous avez vu, hein, toujours pas le temps de jouer en off. Bon, j'ai un peu plus de temps, donc du coup j'ai un peu joué à Need for Speed pour avancer Need for Speed. Donc je vais commencer à rattraper Greed aussi de temps en temps. Du coup... En commentaire de la dernière vidéo, JC a choisi High Speed. Donc on va partir sur du High Speed aujourd'hui. Je crois qu'on... Ah bah désolé JC. Alors désolé JC, on va pas pouvoir y aller en High Speed. J'ai pas le sou. What? 1,2 million la caisse. Ah c'est la loose. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça du tout. Ah ouais non, il nous faut plein de thunes en fait. Et toutes les courses que j'ai pas faites, du coup, c'est un peu normal. Qu'est-ce qui se rapprocherait? Peut-être le Nike Cup? Vu les voitures. On va le faire avec la Aston Martin, tiens. On va partir en Nike Cup, désolé, JC, mais du coup, ouais, on n'a pas l'argent pour... Pour partir en high speed, enfin pour acheter le véhicule du coup. Et je crois pas qu'on puisse emprunter, hein. On peut pas. Ils nous prêtent pas de véhicule quand on en a pas un. Hein, faut obligatoirement l'acheter. Hein. Bon. Et ben du coup on va partir en high cup, c'est pas grave. Désolé j'y sais, hein, j'essaierai de faire attention à ça la prochaine fois. On va y aller avec la Aston Martin par contre. J'ai pas fait gaffe s'il y avait plusieurs rounds. En tout cas, on a 3 tours de nuit sur la Havana. Il n'y a pas l'impression qu'il y a marqué round 1, round 2. Donc, on verra. Ce sera la surprise. Ce sera notre première session avec cette Aston Martin Vantage. Il y a la saison 2, d'ailleurs, de Greed qui va sortir en février. J'ai pas la date exacte. Mais elle devrait pas tarder. On n'a toujours pas fait la saison 1. On n'a toujours pas fini le jeu de base. Donc, c'est pour ça que j'essaie de me dépêcher un petit peu de finir. Je voudrais pas prendre trop de retard. Mais là, ça va être compliqué, ouais. Ça va être compliqué. Donc, on va essayer de se dépêcher. Et je vais essayer de rattraper mon retard aussi en off. Maintenant qu'on a un peu plus de temps libre avec MotoGP, je vais essayer de jouer un peu plus. Allez! Là, on était à fond de rupteur là. Elle glisse moins que la Porsche en tout cas. Elle a tendance à un peu moins tourner aussi par contre. Du fait qu'elles sont un peu plus rigides. Elle freine moins de l'avant aussi. Le freinage est un peu plus linéaire, donc faut pas se rater. Elle s'écrase pas vers l'avant en fait quand on freine, c'est assez bizarre. Faut faire gaffe à nos trajectoires parce qu'il y a des virages qui sont pas annoncés, enfin qui sont pas annoncés en ligne, du coup faut pas les rater. Bon, mis à part ça, elle est sympa à conduire quand même à la voiture. Elle est vraiment sympathique. Vu qu'il y a moins de sous-virages par rapport à la Porsche, je préfère même. Allez, on va finir le tour de qualif. Qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, premier.
On finit premier. Ah, par contre. Ah oui, Payton, là par contre, 14e, ça va être chaud, hein. Alors qu'il fasse une petite remontada. Ouais, donc même sur l'image du. De la course, il n'y a pas marqué Et nous voilà pour la première manche, de Christelle, round, donc tu on as va ça voir. comment? Il a fallu du temps à ces pit. Ok, désolé, ça va Allez, commencer. c'est parti. Let's go. On a donc 3 tours à faire. Attention à tes phares, garde-les intacts pour la durée de la course. On va essayer, Jean-Michel. On va lui demander Ok, de faire je une prends cette poussée. remontada. Notre deuxième voiture peut pas attaquer pour le moment. Pardon? Ok, je pense pas que ça lui ait plu. Ah ouais, mais alors pourquoi? Pourquoi je suis parti en tête à queue, excusez-moi? Ok. Ah, je vous avoue que j'ai pas compris pourquoi le tête à queue, mais on a dû me pousser de derrière. Ok, je vais demander de pousser. C'est bon, attaque confirmée. Ok, cool. Il a l'air d'être remonté déjà, c'est plutôt sympa. Il est peut-être pas dans le top 10 encore, mais je pense qu'il a pris quelques places. Alors nous par contre là on creuse l'écart. Du coup si on repart en tête à queue on saura que c'est pas parce qu'on nous a poussé. Bon début, garde la tête. Mais vu comment que ça s'est passé, il y a de grandes chances quand même que ce soit un poussage de derrière. Un petit choc à l'arrière qui nous a fait partir à mon avis. Ah, quoique, on a l'air de partir là. J'ai demandé à notre deuxième voiture de pousser pour une meilleure position. Ok, notre deuxième voiture commence à attaquer. Pour l'instant, ça tient. En même temps, la course est assez longue, hein, donc à mon avis, il n'y aura pas de deuxième round. Notre deuxième voiture a eu un accident. Oh non! Oh non, ça c'est la loose. Il est 11e. Ah bah, j'ai pas fait gaffe qu'on voyait le classement en bas en fait. Dernier tour. Conserve ta place jusqu'à la fin. J'avais pas fait gaffe qu'on voyait son classement en bas, c'était annoncé.
Il est passé 12ème à 11ème. C'est bon, attaque confirmée. Au final, c'est vrai que les rewinds, on les utilise même pas en fait. Au final, on a gardé deux et on les utilise jamais. Donc peut-être qu'on les enlèvera. Ça fera plus de points. Ah, il va finir 12ème, hein. Il arrive pas à remonter. Je sais pas si l'accident lui a cassé sa voiture ou pas. Bon, mis à part le petit tête à queue, le reste s'est plutôt bien déroulé. Vu qu'il n'y a pas de frein à main réellement à tirer sur ces courses, je le testerai peut-être au volant, le grid. Je testerai en off, quand je jouerai en off, je testerai de voir si je peux jouer au volant ou pas, si c'est agréable ou pas. Je suis pas fan hein, des jeux arcade au volant généralement, mais à voir, vu qu'on n'a pas besoin de tirer le frein à main. Bon, malheureusement, il finit 12ème, donc ça va être compliqué, je pense, pour avoir la médaille d'or, mais... Je crois qu'il suffit qu'on finisse nous premiers de toute façon. Ah, il y a un round 2. Excusez-moi, il y a un round 2. Ah non, il y a 4 rounds. Ah ouais. Ah ouais, non, là j'ai fait le con. Il y a 4 rounds en fait. C'est marqué dessus. Putain, mais alors si elles sont toutes aussi longues, on est mal barré quoi. Sepang sous la pluie, génial. Génial. Ça me rappelle MotoGP pour le coup. Ah, puis en plus, c'est pas l'officiel. Il est modifié. Enfin, c'est pas l'officiel. On n'est pas sur la version Formule 1 ou MotoGP. On est sur une version modifiée. Il va falloir faire attention avec la pluie. Je pense que ça va glisser beaucoup. Bon, celui-là déjà il est un peu plus court. Premier. Et Peyton. Ah, il a du mal. Il a du mal là, avec ce genre de véhicule apparemment. 4 tours. Oh là là là. Ah ouais, c'est des courses longues et on a 4 rounds d'affaires. Quoi. Ici à Sepang pour les Grid World Series. Kristen, ok, désolé, ça va commencer. C'est parti. La compétition est rude, mais t'es en forme. Bonne chance. Ok, je vais lui demander d'attaquer. Ok, notre deuxième voiture commence à attaquer. Ah!
Bonjour. Putain, je lui demande d'attaquer, il perd deux places, quoi. OMG. Ah là, avec la pluie, ça glisse beaucoup. Eh bah du coup, on va le prendre, là, le rewind. Avec la pluie, ça glisse. Avec la pluie, ça glisse énormément. Allez, Peyton. Allez, il a repris sa 14e place. Super ce premier tour, tu mènes la course. Ok, je lui demande de pousser. Notre ah, il refuse. Pas pousser pour le moment. Vas-y, oh. Accepte mes ordres. Là, il est 13ème. De toute façon, je pense qu'il fera pas mieux hein, sur ces courses-là. J'ai pas l'impression que ce soit sa... ses courses préférées. Oh, il est passé 11ème, attention! Deuxième voiture peut pas attaquer pour le moment. Et quel connard. Allez, dernier tour. Maintiens cette position. Dernier tour. Ok. Bon, il va finir 12ème. Sauf s'il arrive à gratter sur le dernier virage. Sauf s'il arrive à gratter sur le dernier virage. Oh bah il finit 9ème. Cool. Sympa. Il y a eu des pénalités apparemment. C'est peut-être pour ça. Il y a eu quelques pénalités, on a vu. Et bientôt niveau 12. On enchaîne avec le 3ème round. 3 tours sur le Shanghai. 3 tours sur le Shanghai. Pareil, hein, qualification course, comme d'habitude. Vidéo qui sera un peu plus longue que d'habitude, d'ailleurs, du coup.
Vu qu'on fait 4 courses. Ouais, on va essayer de faire attention à ça d'ailleurs pour les prochaines, pour pas que ça fasse des vidéos trop trop longues non plus. Ah, si en plus ça charge pas. Kristen, en tant qu'experte du sport automobile. Allez. Et co-présentatrice de cette... Qualification. Ah bah dis donc, c'est le chargement infini aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est parti. Là, il me dit rien ce circuit pour l'instant. Pas le souvenir qu'on l'ait déjà fait. J'ai le souvenir qu'il y avait déjà des Shanghai dans les anciens grids. Alors je pourrais pas dire si c'est le 1 ou le 2 du coup, parce que à chaque fois je me trompe. Donc JC me reprendra. Mais sur le nouveau là, je crois que c'est la première fois qu'on le fait Shanghai. Je crois pas qu'on l'ait déjà vu. En tout cas, ça me dit absolument rien. Oh ouais. Là je l'ai senti, on était emporté. Elle freine pas assez de l'avant, du coup l'avant décroche. C'est assez bizarre. Elle doit freiner plus de l'arrière, la voiture. Du coup, on a l'avant de la voiture qui décroche rapidement quand on freine. Circuit rapide, mais quand même assez long. Il va finir combien, mon petit Payton? 14e encore, ouais. Bon. On va pas attendre mieux, je pense. 3 tours. 3 tours du Shanghai. Et il restera encore un round derrière. Kristen, c'est toujours un plaisir d'être en ta compagnie. Si vous ne savez pas... Ok, désolé, ça va commencer. Désolé. C'est bon, cette course ne devrait pas te poser de problème. J'ai demandé à notre deuxième voiture de pousser pour une meilleure position. Poussez, madame, poussez. Il a gagné une place. Ouais, là le ralentisseur nous a fait partir. On a perdu le contrôle de la voiture à cause de ça. Allez, deuxième tour. Compris.
Ah, ça glisse, ça glisse. On n'arrive pas à reprendre de grip. Ah, il est toujours 14e, il reprend sa 13e place. Il peut faire une petite perf encore. Rentrer dans le top 10. Oh putain. Je partais dans le mauvais sens là. Les petits bruits de retour de flammes sur l'échappement, putain. OMG. Et dernier tour. Dernier tour, maintiens ta place. Toujours 13e, on va lui redemander d'attaquer, mais bon. C'est bon, attaque confirmée. Merde. Ça glisse trop, on est trop large. Un peu longue quand même, une fois qu'on a fait un gros freinage pour récupérer le grip, elle est un peu longue. Après je préfère quand même celle-ci à la Porsche, la Porsche glisse vraiment beaucoup. Même si celle-là aussi, mais je préfère quand même un petit peu plus la rigidité de cette voiture-là que celle de la Porsche. Allez, on se dirige vers le dernier round. Il finit 11e quand même, ça va. Alors, quel circuit? On passe niveau 12 déjà. Et ce sera sur le Zhejiang. 3 tours. 3 tours à faire aussi. Est-ce qu'on tenterait pas de faire sans qualif, de partir dernier du coup, et de tenter une remontada? Allez, on va tenter ça. Et c'est la dernière manche où tout va se jouer, Kristen. À quoi pouvons-nous nous attendre? Ok, désolé. C'est parti. Ça va commencer. Et cette fois-ci, il part 5e. Non mais c'est une blague. C'est okay, une blague ce jeu en fait. Fais juste attention aux conditions de luminosité. C'est juste une blague ce jeu en fait. On est passé 3e là. Bon, on a un petit peu coupé. Mais on est quand même passé 3e. Hein.
Par contre, je sais pas si on a pris une pénalité ou si on a pris autre chose, parce qu'il y a un message rouge qui s'est mis. Je pense que c'est un avertissement, mais pas sûr. Je vais pas le doubler parce que j'ai un peu coupé là encore. Ça serait moche. Oh! Le coffre était pas loin. Est-ce que ça passe sur l'exter? Ah putain, j'aurais pas dû faire ça. Coucou. Ah, il est chaud. C'est bon, on est passé devant. Par contre, Peyton est passé 8ème. Ok, je lui demande de pousser. Okay, en fait, au final, faut peut-être penser à ça. Hein. Si on part nous dernier, on a la chance de faire une remontada. Alors que notre collègue, lui, s'il part dernier, il a très peu de chance. Du coup, peut-être passer comme ça, pas faire de qualif. Et il sera automatiquement devant, peut-être. Ça serait cool. Bon, là, il est redescendu 7ème, par contre. Hein. Ah, c'est peut-être le plus chiant des circuits, celui-ci, hein. J'aime pas ces enchaînements de virages, là. Allez, dernier tour. Jusqu'à la fin. Ok, je lui ai demandé de pousser. C'est bon, attaque confirmée. Allez, ça va le faire, il est toujours 7ème. Ce serait vraiment cool s'il arrive à rentrer dans le top 5. Ça va être compliqué, je pense, mais au moins s'il garde sa 7ème place, ça sera pas mal déjà. On a quand même une pénalité. Mais on finit quand même premier. C'est pas si mal que ça. Oh, au final, on aura pris pas mal d'XP quand même. Elle est belle, la Mustang aussi. La Camaro aussi, sympa. Ah, donc c'est ça. Hein, il suffit juste de finir premier, même si le coéquipier n'est pas dans le top 3. On a quand même la médaille d'or, en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Du coup,
Alors vous, je vais essayer. Alors ça, c'est pas débloqué. C'est ouais, en fait, c'est si je fais pas les courses de la ligne, ça débloque pas les suivantes. Donc, on a Super Tourer Night Endurance, le Royal Rumble de disponible pour la semaine prochaine, le Night Terror. Ah, il y a trois rounds là, par contre, donc faudra y penser. L'Euro GT 3 rounds aussi. Et l'Asian Tour Part 1, sachant qu'il faut que je fasse une course dedans, du coup pour la débloquer aussi, ce serait faisable. Voilà. L'Asian Tour Part 1, l'Euro GT, le Night Terror, le Royal Rumble et le Night Endurance. Voilà. Je vous laisse choisir en commentaire de cette vidéo, les amis, je vous fais confiance. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Grid. J'essaie de faire les courses en off là pour débloquer déjà celles qu'on n'a pas ici. Et puis voilà, merci à tous, salut, bye bye.